Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc on va faire beaucoup d'introductions. Une introduction sur le mouvement social, une introduction à la chaîne et une introduction au cours. Bien. Numéro 1, introduction sur le mouvement social. Donc, j'ai préparé cette vidéo et je vous ai mis à disposition sur ma chaîne dans la playlist Amour et pouvoir, amour et politique, les cours précédents. Tout simplement prenons en compte le fait que assez probablement le restant du semestre va être assez agité et que pour être plus précis, il est assez probable que le cours de ce jeudi soit en ligne. Bien. C'est-à-dire que l'université ne soit pas accessible, ou plutôt, pour être plus précis, que les salles de classe ne soient pas accessibles. Bien, je précise que je serai moi jeudi matin à 9h à l'Assemblée générale des enseignants qui a été convoquée. J'ai reçu un mail à ce sujet. Si devait être décidé simultanément par les étudiants et les enseignants que on réouvrait les salles de cours, ce que je ne souhaite pas, je m'en expliquerai dans un instant. Il est possible que je vous donne ce cours en classe, mais bon, c'est assez peu probable, donc je vais le donner plutôt en vidéo. Et si le cours est néanmoins ouvert, dans ce cas-là, on fera autre chose, on travaillera ensemble. Bien, on avancera. Pourquoi je ne le souhaite pas? C'est-à-dire pourquoi, pour le dire autrement, je suis favorable à ce que le mouvement le plus solide, fédérateur, efficace ait lieu et aboutisse à annuler la création et la mise en place de Parcoursup, de la loi ORE, là, et puis. Bref, de l'ensemble des réformes proposées par le gouvernement en ce qui concerne l'université, sans parler de la solidarité de fait qui se crée avec les autres mouvements sociaux aujourd'hui et auxquels je serais aussi, enfin je suis aussi favorable, mais c'est pas là que je vais en parler. Donc pourquoi? Hein? Bien. Ben, je vais vous le dire très simplement. Comme vous le voyez, ce semestre-là, on peut le bidouiller, on peut le rattraper. On peut le faire. Et puis vous serez noté et tout se passera bien. Et on organisera des examens, etc., etc. Et quand bien même vous rateriez un semestre, ce qui est extrêmement peu probable et qui ne sera pas de mon fait, c'est rattrapable. C'est rattrapable. En revanche, les milliers, dizaines de milliers d'étudiants qui n'entreront pas dans le système du supérieur du fait de Parcoursup, eux, je pourrais pas les rattraper. Comprenez? C'est-à-dire que là, on a du rattrapable, on fait un effort collectif, et on fait en sorte que tout se passe le mieux même pour les opposants au mouvement. De l'autre, on a quelque chose d'irrattrapable, c'est-à-dire que on est face à un choix. Il y a une pénurie d'enseignants, une pénurie de moyens, qui aboutit à une pénurie de résultats. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, au lieu de mettre plus d'enseignants, plus de moyens et d'obtenir de meilleurs résultats, on abaisse le nombre d'étudiants capables de rentrer. Voilà. Face à une pénurie, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on limite le nombre de personnes qui peuvent entrer. C'est comme si vous imaginez, je ne sais pas, un bateau qui arrive à quai et qui a un certain nombre de ressources. Il se rend compte qu'il n'a pas les moyens de nourrir tout le monde et qu'il n'a pas assez de personnel pour préparer les repas, bah, plutôt que de mettre plus de nourriture dans les cales et d'embaucher plus de cuistots, qu'est-ce qu'on fait? On vire la moitié des. Enfin, c'est moins de la moitié, mais enfin. Des passagers. Et partent ensemble, toujours dans des conditions de pénurie d'ailleurs, un petit groupe d'élite, de privilégiés. Qui auront accès à finalement des structures toujours de pénurie, mais
dans une situation moins catastrophique que ce que ça aurait été si on avait été dans le respect de ce qu'est une université, c'est-à-dire de ce qui donne un accès au droit à l'éducation aux jeunes d'une génération en France. Bien. Je vais être un petit peu plus franc encore, un petit peu plus sincère. Moi, mes études, je les ai faites. Hein. J'en ai beaucoup derrière moi et puis j'ai pu les faire non seulement grâce à un système existant et qui m'a permis de faire des études gratuitement, mais encore aussi et surtout grâce à un capital culturel. Moi, je viens de la bourgeoisie culturelle, mes parents étaient très diplômés. Et il est probable que dans un système même réformé, j'ai pu faire ces études-là. Mais je pourrais reproduire le raisonnement avec mes enfants. Imaginons que j'ai des enfants et que je les envoie à l'université. Bénéficiant de mon capital culturel, il est assez probable qu'ils aient de bien meilleures chances de réussir malgré, et même malgré ce système, que des enfants qui ne bénéficieraient pas de ce capital-là. En d'autres termes, c'est pas nous tellement les enseignants qui avons à perdre immédiatement. Et pourtant, si. Et pourtant, si. Je vous invite d'ailleurs à regarder une vidéo que j'aime beaucoup de Bourdieu qui s'appelle L'économie sociale. Vivre dans un pays dont le niveau d'éducation baisse, c'est pas drôle. Vivre dans un pays dans lequel l'exclusion augmente, c'est pas drôle. Vivre dans un pays où n'importe quelle personne qui n'aura pas fait d'études et pas eu accès à des emplois bien payés, qualifiés, etc. Et qui vivent dans un pays qui par ailleurs produit moins de richesses parce qu'il a une population moins éduquée, moins enseignée, c'est pas drôle du tout. Et on le paye par la suite. On le paye parce que plus personne nous écoute, ceux qui possèdent un petit peu de savoir, par exemple. On le paye parce qu'on perd toute sa légitimité, toute sa crédibilité. On le paye parce que, bah, bêtement, on est moins solidaire, on s'aime moins. On le paye parce qu'il y a plus de chômage, plus de dépression, plus de souffrance, plus d'alcoolisme, plus d'insécurité. On le paye parce qu'il faut payer des policiers et des médicaments, etc., etc., etc. Bref, on le paye. La destruction du commun, ça se paye. Voilà. Voilà ce vers quoi nous emmène Parcoursup et ce vers quoi tente de lutter. Entre autres choses, le mouvement qui se déroule à Tolbiac, et voilà les raisons pour lesquelles je le soutiens, ce mouvement-là. Avec mes petits moyens, mais en tout cas au moins de cœur. Introduction 2, introduction chaîne. Alors, comme je vous ai dit, je viens de mettre à disposition tous les cours de ce semestre. À l'heure où je vous parle, le cours 1 d'introduction, malgré son caractère tâtonnant et introductif, est aussi téléchargé. Et j'espère que vous trouverez entre vous des moyens pour partager au maximum ces vidéos, donc entre les étudiants de ce cours, pour que au moins s'assurer que tout cela y ait accès. Je n'ai pas vos mails, mais je passerai par ceux de l'administration. Je sais très bien que ce moyen est défaillant, donc je vous encourage, je vous invite, je vous demande, je vous en prie, partagez-les par vos moyens à vous, votre dark web que vous avez mis en place. Enfin bref, faites en sorte que ces vidéos circulent, s'il vous plaît. Je devais aussi faire un remerciement à Benjamin Bayard d'une part et à la chaîne YouTube Thinkerview d'autre part. Pour avoir donné beaucoup de visibilité à, enfin beaucoup, oui, beaucoup de visibilité à ma chaîne. Donc merci infiniment. Je suis très humblement, je suis très honoré de ce que vous avez pu en dire. Et ça a doublé le nombre d'abonnés. C'est un peu brutal. Moi qui ai bricolé une petite chaîne comme un outil pédagogique, ça me dépasse un petit peu. Mais enfin, toujours est-il que bah, c'est génial parce que moi qui essaye de diffuser des cours, ben, j'ai besoin de gens qui les regardent. Et puis en même temps, leur appétit, ben, c'est presque une forme de retour. Si on dit toujours avec Marcel Mauss la triple obligation du don, donner, recevoir, rendre, ben, dans un premier temps, moi je donne. Puis
ceux qui regardent reçoivent. Et puis ils rendent par leurs commentaires, ils rendent par le simple fait de vouloir en regarder d'autres. Et puis évidemment, j'imagine ensuite en diffusant des savoirs et en apportant avec eux leur savoir dans leurs actions au quotidien. Donc merci et bienvenue à tous les nouveaux. Je m'excuse par avance du fait que je vais strictement rien changer à mon comportement habituel. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout, je ne vais pas pouvoir fignoler les vidéos, je ne vais pas pouvoir, parce que je n'ai pas le temps, que ce n'est pas mon métier, que j'ai aucun savoir-faire et que c'est comme ça. Donc ça sera toujours aussi bricolé. Voilà. 3. Introduction 3. On n'en finit pas avec les introductions aujourd'hui. Introduction au cours. Ah ah. Nous rentrons dans le vif du sujet. Alors, avant de parler de cet ouvrage Fricassé de Marie dont je vous avais promis la lecture de quelques contes, vous voyez là, je ne suis pas sous la pluie comme à Brantôme, donc je vais pouvoir vous les lire. Et avant de parler de pornographie, c'est-à-dire avant d'approfondir quelques points que j'ai esquissés dans le cours précédent, je voudrais revenir sur le cadre général dans lequel se déploie ce cours. Bon. On est dans un cours d'anthropologie politique, c'est-à-dire dans un cours qui s'intéresse dans la production du commun, dans la production de notre culture, c'est-à-dire de la somme des normes, des représentations, des manières d'agir, de penser, etc., qui nous délimitent en tant que groupe et que nous produisons en même temps, donc dans la production de culture, ce qui est afférent aux politiques, c'est-à-dire ce qui est afférent à la répartition des statuts, des richesses et du mode de régulation des conflits. Et pour être plus précis, ce qui est afférent à la négociation perpétuelle, je m'en suis expliqué dans le premier cours, au mode de régulation des conflits, à la répartition des statuts, à la répartition des biens. Bien. Alors, dans ce cours spécifique d'anthropologie politique, je me suis intéressé à la façon dont ces lieux de négociation excusez-moi, ma formule est mauvaise. Je me suis intéressé, je nous ai proposé de nous intéresser au rapport qu'il pouvait y avoir entre ces contenus culturels politiques-là, d'un côté, et d'autre part, l'amour. En d'autres termes, comment la disposition humaine à l'amour pouvait avoir une dimension politique. Et pour être plus précis, la façon dont j'ai agencé la question est la suivante. Comment est-ce que les domaines du pouvoir, comment est-ce que les domaines du politique peuvent s'emparer de notre disposition humaine à l'amour? Alors, disposition humaine, ça vous le comprenez, à l'amour, le fait qu'on soit des êtres aimants, je n'ai pas voulu rentrer dans une définition trop restrictive de l'amour, vous allez le voir dans un instant. Donc voilà, la question c'est, il y a chez l'humain une disposition humaine à l'attachement, une disposition humaine à l'amour. Comment est-ce que le domaine du pouvoir, comment est-ce que le domaine du politique, c'est-à-dire la totalité du politique, non pas en tant qu'il est exprimé par une institution, un État, mais tel qu'il se manifeste dans toute société existante, voilà, comment est-ce que le domaine du pouvoir, le domaine du politique peut s'emparer de la disposition humaine à l'amour? Alors, de l'amour, par exemple, par identité. Je suis identique à toi. De l'amour qu'on va trouver dans le processus d'intégration, avec toute la violence que ça implique. On est allé voir comment est-ce que le politique pouvait utiliser tout simplement, par exemple, l'amour du sol, l'autochtonie. Nous sommes allés voir aussi comment est-ce que le pouvoir pouvait utiliser l'alliance, le mariage, avant et qui ont choisi et après, comment on vit ensemble, pour se renforcer, pour exister, pour développer ses normes, pour s'exprimer. Bien.
La semaine dernière, je vous ai proposé de réfléchir à la façon dont, parmi les dispositions humaines à l'amour, la sexualité était un lieu d'expression du pouvoir. Et je vous ai dit, il faut toujours garder en tête au moins trois modalités d'influence entre le pouvoir et la sexualité. Première modalité, la répression. Je vous ai lu un manuel de répression qui énonce très clairement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, sous peine de mourir vite via un châtiment corporel et de subir ensuite pour l'éternité le châtiment divin. On se souvient que la zoophilie et la masturbation étaient les, ainsi que l'homosexualité étaient les crimes suprêmes. Alors que le viol d'une femme mariée ou le viol d'une jouvencelle était presque acceptable. Bien. On est au XIVe siècle à ce moment-là. Je vous ai parlé de l'impact dans les processus d'identification, d'actions visant directement le corps, les pratiques sexuelles, le choix des partenaires, ceci ayant un impact sur, évidemment, dans les quatre domaines du politique de Balandier, essentiellement sur la sacralité, l'ambiguïté et les rapports à l'ordre intérieur. Un petit peu moins, évidemment, avec les relations à l'ordre extérieur, même si, tiens, on aurait pu travailler sur... Suite, son nom m'échappe. Pouf, 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 pause. Il m'est revenu. Sur l'impact, sur l'ouvrage de Patrick Buisson qui s'appelle 39-45 années érotiques. Patrick Buisson a des opinions politiques que je ne partage pas du tout, qui sont même à l'opposé des miennes. Et néanmoins, il a écrit là un très très beau travail d'histoire des représentations sexuelles dans cette période de guerre et sur la façon dont la sexualité a été très nettement marquée par un rapport à l'étranger, aux Anglais, aux Américains et aux Allemands, et dont la répression qui a été faite par rapport aux femmes post-Seconde Guerre mondiale était énormément afférente à ce rapport à l'étranger. Elles avaient couché avec l'ennemi. Elles étaient des vecteurs de l'ennemi, en quelque sorte, au lieu d'être les ventres qui allaient faire les soldats pour la guerre 39-45 et puis les guerres suivantes, etc. Bon. Alors, je reviens à un propos plus structuré. J'ai essayé d'attirer votre attention sur trois modalités d'action. La répression, je viens de la nommer. Mais je vous ai dit aussi, il existe une modalité plus discrète. Ou en tout cas plus discrètement répressive, ou pas du tout répressive, que j'appelais la normalisation collaborative, quand on produit de la norme de manière collaborative, sans passer par l'État. Ça peut exprimer un pouvoir, ça n'est pas nécessairement ressenti comme de la répression. Je citais par exemple l'excision ou le choix des sexes en Chine, privilégiant les petits garçons sur les petites filles, ou la... Je sais même pas comment appeler ça, tellement je trouve ça affreux, la... violence que l'on fait aux personnes intersexes en les corrigeant, mutilant, je ne sais pas quel est le bon terme à la naissance, c'est-à-dire en les arrachant à leur sexe naturel pour les amener à un sexe normal tel que la société conçoit la norme. C'est marrant d'ailleurs parce que c'est une violence sociale extrêmement puissante et qu'on déploie dès la plus tendre enfance et dont on parle très peu, je trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup trop peu. Alors, je vous ai parlé d'autres processus de normalisation qui font moins peur, en un sens, et notamment la pornographie, on y reviendra aujourd'hui. Et je vous ai parlé d'un troisième mode d'influence, qui est une influence indirecte, donc influence via la répression, via la sanction, influence via la fréquentation, en quelque sorte, et la production de normes de manière collaborative, on collabore à la production de normes, et enfin, troisième mode d'influence du pouvoir sur...
La sexualité, l'inspiration. C'est-à-dire comment des normes, des catégories qui sont à proprement parler politiques viennent influencer, nourrir, plus ou moins discrètement, le développement d'une sexualité. Alors, avant d'explorer ces deux domaines-là, et notamment en regardant des statistiques de la pornographie ensemble, et puis en lisant ces comptes, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le pouvoir peut s'exprimer à la fois sur le contenu, le contenant et la pratique. Exemple typique avec la pornographie. Le contenu, c'est ce que vous voyez, ce sont les films. Le contenant, c'est ce sur quoi vous regardez ces contenus, c'est-à-dire votre écran d'ordinateur, la connexion Internet, les téra, méga, milliards de téraoctets de données qui circulent pour que vous ayez accès à ces contenus-là. C'est le temps que vous allez y consacrer, en un sens. La loi va venir, par exemple, pour changer, pour normer les contenus. Et simultanément, c'est un effort public national qui va permettre le contenant. Et la législation va probablement aussi s'appliquer sur la manière dont fonctionne ce contenant. Bien. Alors, une fois qu'on a bien en tête ces trois modes d'influence, influence directe, répressive, influence directe via normalisation collaborative et influence dérivée, ce que j'appelle l'inspiration, je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu à l'inspiration ensemble en lisant. Puis je vous avais promis au premier cours de vous lire des comptes à chaque cours. Donc, en vous lisant quelques contes amérindiens, allez, deux ou trois, ouais, c'est pas mal ça. Alors. On va commencer par. Donc, vous avez les références dans la vidéo précédente, c'est Betty Mindelin, Fricassée de Marie, Mythe érotique d'Amazonie. La Piroquette d'argile. Conteur en portugais, Moam Luís Tupari. Il y avait une fille qui, faute de mari, s'était fabriquée une piroquette d'argile, toute pareille que celle d'un homme, et de même creuse à l'intérieur. Alors, une des qualités de ce texte, c'est la qualité de la traduction qui est très inventive et qui n'est pas trop neutralisante. Mais par souci de clarté, je précise que piroquette, ça veut dire pénis. Ou qu'on est en train de décrire en fait un god. Il y avait une fille qui, faute de mari, s'était fabriquée une piroquette d'argile toute pareille que celle d'un homme et de même creuse à l'intérieur. Elle s'éjouissait avec ce godinet, lui parlait comme si c'était un mâle. Chaque fois qu'elle avait envie, elle se l'enfilait et ainsi pouvait très bien se passer d'un homme. Oui, mais voilà, un jour, sans qu'elle s'en aperçoive, un amboa, une toute petite bête qui ressemble aux mille pattes, s'est fourré dans le creux de la piroquette au moment où la fille s'enfilait son amant d'argile. Il a été se nicher au fin fond de la counette et il est resté là bien tranquille à sucer les entrailles de la malheureuse. Elle a vu son ventre enfler, enfler, sans savoir ni pourquoi ni comment, mais elle savait bien que grâce à la piroquette d'argile, elle avait pu échapper aux assauts d'un homme. Des quantités d'amboas se multipliaient dans son ventre et ils ont commencé à vouloir sortir. Alors quand la fille voyait une langue de bœuf, c'est un champignon, elle s'accroupissait pour laisser sortir des ribambelles d'amboas qui allaient ronger les lamelles du champignon. Voilà comment la fille se débarrassait des amboas. Mais elle devait continuer de chercher des langues de bœuf pour appâter ce qui grouillait encore et encore dans son corps. Elle a mis des jours et des jours à se débarrasser de tous ces parasites. Enfin soulagée, elle a pris une bonne résolution. Jamais plus je ne m'enfilerai ma piroquette d'argile.
Alors, je vous ferai d'autres réflexions tout à l'heure par rapport à ce conte et à l'existence même du domaine du politique dans ce texte. Mais juste une chose, pour celles d'entre nous ou ceux d'entre nous qui auraient une réaction, comment dire, de déception par rapport à ce conte en disant ben, c'est quand même pas drôle, à la fin elle est punie, elle peut plus se servir de sa pirouette d'argile, elle va devoir se marier. Je tiens à signaler que ça, c'est une lecture extrêmement française et actuelle du conte. Il n'est pas du tout dit cela. Il est simplement dit qu'après qu'elle ait trouvé elle-même la solution à son problème, elle décide de plus utiliser cette pirouette d'argile. Il n'est absolument pas dit qu'elle va se chercher un mari. Or donc, elle entre dans un problème avec de la nature. Il y a des espèces de myriapodes qui se développent dans son ventre. Elle trouve une solution avec la nature, grâce à des champignons. Elle s'en tire bien et elle décide simplement que cet outil-là n'est pas bon pour elle. Point. Alors, deuxième conte, on reste avec les affaires de godemiché et de substitut, si on veut bien. Le chasseur malchanceux ou l'amoureux d'un arbre creux. Il était une fois un jeune chasseur malchanceux. Il n'arrivait pas à tuer le moindre gibier ni à tirer sa crampe. Les filles se sauvaient quand elles l'apercevaient. C'était un beau garçon vigoureux, sans rien de disgracieux. Il n'y avait aucune raison apparente à cette malchance totale. Mais hélas, il devait se contenter de convoiter de loin les filles vouées à la solitude. Il n'avait pas de gibier à leur offrir. Il revenait toujours de la forêt en secouant ses mains vides et ses trics frustrés. Il s'appelait Athéab, ce chasseur malchanceux, et il avait un ami appelé Pibéi, qui lui avait beaucoup de chance. Ils allaient toujours ensemble à la chasse. Pibéi avait l'habitude de se mettre à l'affût et Athéab de s'enfoncer dans les fourrés de la forêt. À peine arrivé, Pibéi avait la chance de tuer des tas de tinamous. Il leur arrachait la tripaille qu'il jetait sur le chemin et passait à un autre affût. Dès qu'il avait disparu, Athéab toujours bredouille, il lâchait ses flèches sur les paquets de tripes et allumait un feu pour les griller. Quand l'heureux chasseur revenait, Athéab lui offrait de la tripaille enveloppée dans des feuilles, comme si c'était de la viande grillée de tinamou. Pibéi avalait cette boustifaille, il la trouvait répugnante. Un jour, méfieux, il a ouvert une enveloppe de feuilles et pouah, il a vu que ce n'était pas du gibier, mais de la tripaille. Pendant ce temps, Athéab traînait sa désolation. Comment se faire des gibiers et une femme? Un jour, il a trouvé un arbre creux, un komabo, comme nous l'appelons, dont le tronc était marqué par une fente verticale ourlée de champignons à lamelles. Et comme Athéab, vous auriez sûrement pensé à une counette. Il s'est dit que l'arbre avait quelque chose de féminin. Il a glissé son gourdin entre les lamelles moelleuses, s'est frotti-frotté dans leurs replis, a troufouté sans vergogne et trouvé son plaisir dans la fente accueillante. Pour lui, l'arbre s'était changé en une personne. Il passait des heures avec elle, ébranlé, tourneboulé de passion, lui disant des mots tendres comme si c'était vraiment une femme. Pibéi, surpris de le voir disparaître régulièrement pour des promenades de plus en plus longues en tapinois, était allé lorgner ce qu'il faisait. Et il a surpris Athéab en train de rosser violemment son arbre femelle. Tu me trahis avec Pibéi! Hurlait Athéab à sa bien-aimée, au comble de la fureur fou de jalousie. Il la cognait de toutes ses forces, puis tournait le dos à l'arbre, l'air rogneux, jalouseux, puis revenait à la fente et derechef la pilonnait avec entrain. En même temps, il poussait des cris pour faire croire que c'était une femme partagée entre la douleur et le plaisir qui réagissait à ses coups de boutoir. Pibéi s'est approché de son ami, la regardait sans rien dire. Quand Athéab s'est rendu compte de sa présence, il aurait voulu disparaître, plus bas que terre, mort de honte. Bon. Alors, on va prendre un troisième. J'en choisis un court parce que pas passer des heures et des heures et des heures. Alors, Koubiotchi, la femme goulue. Conteur Ghalib Porroca, interprète Pakoré Marina Djabouti et Sergio Ajourou. C'était une femme très belle, mais elle était goulue. Elle n'avait jamais assez de viande à manger, son mari était obligé de chasser sans arrêt. Il a fini par en avoir assez de chasser, chasser tout le temps. Il continuait d'aller dans la forêt, mais au lieu de chasser, il se taillait le corps et rapportait des morceaux en disant à sa femme que c'était du gibier que le jaguar avait tué et qu'il lui avait volé. Plus le temps passait, plus il maigrissait. Son compère lui disait: Si tu maigris, c'est à force de voler le gibier du jaguar.
Le mari a continué à rapporter de sa propre chair en disant que c'était le gibier volé au jaguar. Un jour, le compère lui a demandé « Rapporte-moi des os, j'aimerais sucer la moelle. » Ils sont partis pour la plantation, mais en chemin, le mari a dit qu'il allait chasser. Inquiet de ne pas le voir revenir, le compère a suivi ses traces. L'autre l'a vu arriver alors qu'il était en train de découper un morceau de sa propre chair. Il a essayé de refermer la plaie, comme il faisait chaque jour, mais elle est restée ouverte. « Quelle horreur !» s'est écrié le compère. « Qu'est-ce qui te prend ?»« J'ai l'habitude, depuis longtemps, je fais ça pour complaire à ma femme goulue. » « Mais comment peux-tu supporter une femme aussi vorace ?» a protesté le compère. Le mari, vous l'avez deviné, était follement épris de la goulue. Il a pris le morceau qu'il s'était dépecé, déjà enveloppé dans des feuilles, il a soufflé dessus, la chair s'est changée en rats, des quantités de rats qui sont partis en courant. « Ah, c'est un nouvel animal, il va détruire nos plantations, notre maïs !» Désespéré, il a essayé de convaincre son compère de le tuer avec ses propres flèches. « Moi non, » résistait le compère attristé. Le mari de la goulue est monté à un arbre et l'autre a fini par accepter de lui décocher des flèches pour le tuer. Mais comme il aimait son ami, il les a décochées mollement, si bien que le mari était obligé de les empoigner lui-même pour se les enfoncer dans le corps. Comme il ne mourait pas, il demandait toujours plus de volées de flèches. Le compère a épuisé toutes les flèches du chasseur et a utilisé celles qu'il avait apportées. Cette fois, il avait tiré avec force. Le mari a fini par tomber de l'arbre et s'est enfui en courant. Mort de peur, le compère est revenu à son carbet, sa maison. Il ne s'est même pas arrêté pour se baigner dans la rivière, comme les Indiens ont l'habitude de le faire au retour d'une randonnée. Il a raconté à sa femme et au pagé avec tous les détails ce qui s'était passé. Ils ont prisé du râpé et le compère a vomi quantité du sang de l'homme qu'il avait criblé de flèches, mais qui y avait réchappé. Cet homme, le mari de la gloutonne, a proposé au compère de se revoir. Il était juché sur un arbre, le corps couvert de flèches qui s'étaient changées en lumière, tout son corps était illuminé. Aujourd'hui, le compère lui a apporté une écuelle de caouin et il a dit à la goulue « Viens voir ce que tu as fait à ton mari ». Kabyochi, la femme goulue, effrayée, a regardé en l'air. Mais le mari n'est pas descendu. Il a dit « N'aie pas peur, compère ». Il a accepté le caouin que l'autre lui offrait et parti en plein espace avec un fracas de tonnerre qui a fait trembler la terre. Aujourd'hui encore, on entend ce tonnerre et on voit ces lumières dans le ciel quand on pressent une mort, une guerre ou un malheur. Bien. Alors, qu'est-ce qui, dans ces contes, exprime les domaines du politique ? Je vous ai dit que, primitivement, le politique, c'est la négociation via des subjectivations, on pourrait en parler des heures, mais restons simples, c'est la négociation de la répartition des statuts. Bien. Dès lors qu'on a ça en tête, on voit bien que, par exemple, les statues sont tout à fait mises en scène dans ces contes. Statue de l'homme, statue de la femme, statue du plaisir, statue de la nature, statue des animaux. On voit que, par exemple, il y a une forme de relation collaborative qui s'instaure entre les hommes, la nature, les végétaux, les animaux. On voit par ailleurs que les relations hommes-femmes, et d'ailleurs ça apparaît dans tous les contes, hein, sont sous une forme de drôle d'égalité, c'est-à-dire que les hommes peuvent être une menace pour les femmes, mais les femmes peuvent être une menace pour les hommes, et notamment via l'anthropophagie, les femmes dévorent, hein, dans ces contes-là. On est dans des tribus qui pratiquent l'anthropophagie ou qui ont pratiqué l'anthropophagie et par conséquent on voit cela apparaître. Dans d'autres contes, on voit littéralement mis en scène le pouvoir dans la délimitation de ce qui est un nous et ce qui est l'étranger. L'étranger, ça peut être des puissances de la nature ou ça peut être d'autres groupes. On voit par ailleurs que il n'y a pas à proprement parler de morale de l'histoire telle qu'on pourrait l'attendre, c'est-à-dire dans le premier cas,
Bon, ben voilà, simplement, la femme va corriger son tir. Elle prendra une autre pirouquette d'argile ou en bois, mais elle la fera sans trou à l'intérieur. Ou on lui dit pas, maintenant, tu vas te trouver un mari. Dans le deuxième, ben, qu'est-ce qui se passe? Simplement, il est couvert de honte. Et dans le troisième, dans l'incapacité à donner de la chair humaine, l'homme commet une erreur. C'est lui qui commet une erreur. Il sacrifie sa propre chair à l'appétit de sa femme. Et ça, c'est complètement inexplicable. Personne ne le comprend. Personne ne comprend ce qu'il est en train de faire. Et en fait, il est en train de disparaître et de devenir lumière ou de devenir esprit. La cohabitation avec les esprits, d'ailleurs, vient aussi là intervenir régulièrement dans ses contes, comme un autre statut. On voit aussi la répartition du travail, les hommes à la chasse, les femmes aux plantations. Donc, si vous voulez. Un autre point aussi très simple, très simple. Ce titre, Mythe érotique d'Amazonie, à mon avis, c'est pas bon, c'est pas un bon titre. Je suis pas du tout sûr que ces mythes soient des mythes érotiques. Je suis pas du tout sûr que pour les populations qui les aient formulés, ces mythes soient à proprement parler érotiques. Moi, j'y vois des mythes qui sont à la fois moraux, politiques, érotiques. Ce sont des histoires dans lesquelles on ne sépare pas les interactions avec la nature, les interactions politiques entre humains et les interactions de sexualité. C'est-à-dire qu'on serait dans une société dans laquelle, à l'intérieur de la répartition des statuts et dans le maintien de l'ordre intérieur, on laisse une place à la sexualité, on laisse une place normale à la sexualité, une place non licencieuse en quelque sorte. Il n'y a pas de catégorie X pour le dire autrement. Mais ça, c'est une hypothèse que je vous propose. Bien. Alors quand on dit ordonnancement du rapport avec la nature, vous voyez bien qu'on est à la fois dans deux domaines du politique extrêmement forts. La sacralité d'un côté et de l'autre l'ordre intérieur. On rappelle ordre intérieur, ordre extérieur, ambiguïté, sacralité. L'ambiguïté, c'est très peu là. L'ambiguïté, c'est essentiellement le discours qui vient légitimer et justifier les inégalités. On pourrait dire que dans la mise en scène des hommes et des femmes dans leur vie sexuelle, il y a une justification de certaines inégalités, mais je ne me sens pas assez fort dans la description des rapports d'égalité et d'inégalité dans ces tribus amazoniennes pour pouvoir être plus précis. Alors. En revanche, pour ce qui concerne l'ordre intérieur, la relation de collaboration, quasi de connivence avec le bois, l'argile, l'eau, il y a un fleuve par exemple qui se révèle être un allié très étonnant dans un autre conte, les animaux et les humains, ça c'est un point qui vient immédiatement informer l'intérieur parce que le pouvoir dans ces tribus-là se manifeste par une description de l'ordre incluant ces éléments-là. Incluant ces éléments-là. Et non pas comme les humains et leur environnement, mais comme un ensemble qui est à la fois nature, être vivant, être animé, esprit, mort et humain. En ce qui concerne le domaine dit sacralité. Alors. La sacralité, c'est la mise en parallèle d'un ordre des choses, un ordo rerum et de l'ordo hominum. C'est-à-dire que l'ordre humain est plus que l'ordre humain et qu'une simple conjonction de rapports de force, qu'il correspond à un ordre divin, un ordre des choses. Or là, on voit bien que l'ordre des choses, et notamment la place de la nature, des arbres, etc., et ben là, par exemple, les éclairs, surgissent du fait d'une transformation magique d'un individu qui a mal organisé sa vie sexuelle, voulant pour plaire à sa femme se trancher des morceaux de chair. Et ça a été dit dans le conte plus tôt, mais il faudrait pouvoir l'interpréter en ayant pris la nourriture du jaguar. La formule est très ambiguë et très intéressante. Alors, simplement, vous voyez bien que là, le pouvoir s'exprime d'une manière extrêmement indirecte. Ce n'est pas le chef de la tribu qui a écrit cela pour obtenir obéissance.
C'est simplement les domaines du pouvoir qui existent dans la société qui sont mis en écho, rappelés, remis en scène à travers le mythe. Et on trouvera ça dans de nombreux mythes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonctions du mythe. Une d'entre elles est tout simplement de respecter à travers le cadre de l'histoire, le cadre défini par le pouvoir. Vous me suivez? Bien. Alors, maintenant je voudrais passer, enfin revenir, parce qu'il me semble bêtement que la répression, c'est la forme la plus facilement concevable et donc on a le moins besoin de voir ensemble. Je voudrais revenir à cette forme d'influence que le pouvoir peut avoir sur la sexualité, à travers ce que j'appelle la normalisation collaborative. Et pour travailler un petit peu là-dessus, je vous mets en lien trois études et puis un ensemble statistique. Donc les trois études, c'est une étude de l'IFOP réalisée pour Marc Dorcel en 2009, une deuxième étude de l'IFOP réalisée pour Tukif en le 14 avril 2014, une troisième étude réalisée par l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, réalisée par l'IFOP toujours le 15 mars 2017, et enfin les chiffres que Pornhub, donc une plateforme massive, une énorme plateforme, pardonnez-moi, de diffusion de contenu pornographique, a mis à disposition. Alors, vous verrez que ces différentes sources, ces différentes études ont des résultats différents selon les questions. Vous verrez avec étonnement probablement leurs résultats. Je vous les mets à disposition, à vous d'en juger. Bon, je voudrais, pour ceux qui sont déjà lassés et qui voudraient partir, que vous compreniez simplement une chose. Du point de vue d'un anthropologue, la principale fonction de la pornographie et de la production de normes. C'est une consommation de masse. Elle est absolument homogène dans un grand nombre de ses aspects, et notamment comment on la regarde, combien de temps on la regarde, quel contenu on regarde, jusqu'à quel contenu on regarde, vous allez voir. Et ne serait-ce que la masturbation devant un film pornographique, c'est déjà un ensemble extraordinairement cohérent. Et on arrive à un niveau de conformité, de conformisme en quelque sorte dans la pratique de la masturbation, du fantasme, de la représentation sexuelle qui est inédite dans l'histoire de l'humanité. À aucun moment de l'humanité, autant de personnes se sont masturbées de la même manière devant des contenus semblables à travers les mêmes outils. Bon, ça c'est un point très simple et que je vous demande d'admettre. On pourrait aller lire Robin Nguyen, on pourrait lire énormément de choses. Moi, je préfère vraiment des références extrêmement simples. Lisez Les techniques du corps de Marcel Mauss. Comment est-ce qu'on apprend socialement à se servir de son corps, à marcher, à respirer, à nager, à boire, à danser, à se tenir, à se saluer, à fumer. Voilà. Quels sont les gestes qu'on apprend socialement? Et à travers eux, à travers cette grille de lecture, regardez l'usage de la pornographie. Et là, vous comprendrez qu'effectivement, il y a un niveau de normalisation qui est extraordinaire. Cette normalisation, elle est à la fois collaborative et en même temps, d'une certaine manière, produite par l'État. Elle est collaborative parce que personne ne vous force à regarder de la pornographie. Elle est collaborative parce que personne ne vous force à, et surtout pas l'État, à créer des contenus et à créer un appel à contenu via votre consommation. Mais simultanément, la définition de ce qui est légal et ce qui est illégal, de ce qui rentre dans la catégorie X et qui est néanmoins légal, ça dépend de l'État. Par ailleurs, le fait que vous puissiez tous accéder à des terabits de données qui vous permettent de consommer ce genre de choses et de vous livrer à ces pratiques, ça encore, ça relève de l'État. Par ailleurs, la façon dont on va surveiller de manière générale ce que
On peut appeler les pédos et les terreaux. Mais je préfère dire pédophiles et terroristes parce que sinon ça fait comme les pédos et terreaux. Ça encore, c'est organisé par l'État. De la même manière, la contre-éducation à la sexualité, etc. Bon, mais il y a une influence. Ensuite, le pouvoir. Ben oui, les rapports hommes-femmes, les statuts, les dignités, tout ça est évidemment négocié aussi, mais de manière plus collaborative à travers la consommation de porno et le nombre de clics, si on veut bien. Par ailleurs, au-delà des rapports entre les sexes, quel sexe? Et ensuite, les rapports entre les couleurs de peau, les rapports entre les nationalités. Et ça, on va le voir ensemble. Alors, on commence par la première étude dont je vous ai parlé, 2009, Sexe, Médias et Société, la grande enquête Mardoxel IFOP 2009. Alors, elle expose sa méthodologie, vous verrez le document que je vous ai envoyé. À vrai dire, je voulais commencer par cette étude pour deux raisons. D'abord, c'est avec elle que j'ai commencé à travailler sur la pornographie il y a fort, fort, fort longtemps. Et deuxièmement, la question est bien posée. C'est très rare, la question est bien posée dans cette étude. Question 1. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu l'occasion de regarder un film pornographique, que ce soit dans son intégralité ou seulement des extraits? Voilà. Voilà une question qui n'est pas culpabilisante. Alors, pour les hommes, 97% répondent positivement. Pour les femmes, 83% répondent positivement. Alors ensuite, on avance dans l'étude et on se rend compte que, par exemple, la femme qui en consomme le plus, elle a à peu près 30 ans, elle est cadre moyenne et elle habite à Saint-Brieuc, ou une ville de cet ordre-là. Mais revenons simplement sur ce fait. 97% des hommes, c'est-à-dire tout le monde, et encore on est dans du déclaratif, hein, et 83% des femmes ont déjà eu l'occasion de regarder des films pornographiques, que ce soit dans son intégralité ou seulement des extraits. À partir de là, on comprend que personne n'est vierge, personne n'est à l'abri, et que par conséquent, tout un chacun a construit au moins une partie de sa sexualité en fonction de ses références, que ce soit parce qu'il les a absorbées lui-même ou que ce soit parce que quelqu'un d'autre les a absorbées. On sait que ça existe. Bien. Alors, dans cette étude-là, il y a d'autres statistiques qui me paraissent vraiment étonnantes parmi celles qui ont déjà visionné des images à caractère pornographique. Alors, avec qui? Pour les hommes, seuls à 84%. Avec votre partenaire à 55%. Avec des proches ou des amis, 21%. Avec des membres de votre famille, 6%. C'est énorme, non? Alors, la pornographie et l'apprentissage de la sexualité. Alors, vous avez l'âge moyen de la première consommation. 80% des Français pensent qu'ils l'ont vu au bon âge, je ne vais pas rentrer dans le détail. Dans quelles circonstances avez-vous vu ce premier film ou extrait pornographique? Alors, on prend l'ensemble homme-femme. Avec un membre de votre famille, 3%. Avec votre partenaire, 25%. Avec un ami, 27%. Seul, 47%. Dès lors, on comprend, au vu de cette étude, qu'il s'agit d'une pratique sociale normale, banale, banalissime, et à travers laquelle la sexualité se trouve impactée, transformée. Même si l'âge de la première fois évolue très peu, en revanche, effectivement, les types de pratiques évoluent et se normalisent à travers ça. Alors, ce qui est très intéressant dans la seconde étude dont je vous ai parlé pour Tukif, dont je ne sais absolument pas ce que c'est, tukif.com, c'est un site internet. Donc, l'étude de 2014, toujours par l'IFOP. Alors, regardez bien comme la question est différente.
Question. Au cours de votre vie, vous est-il déjà arrivé de surfer sur un site pour y voir des films ou des images pornographiques? Et là, 60% des Français répondent oui, ce qui est beaucoup moins que 97%, par exemple. 40% répondent non. Alors, au cours de votre vie, vous est-il déjà arrivé de visionner des films ou un spectacle pornographique sur un support télévisuel, TV, DVD, VOD? Et là, 66% des Français répondent oui et 34% des Français répondent non. Vous voyez, ça me rappelle quand l'écart entre les deux, 2009-2014, il n'y a pas d'un seul coup 30% de Français qui sont venus, qui ont cessé de consommer de la pornographie. Alors il faudra regarder la taille de l'échantillon, mais il faudra regarder surtout les questions et leur ordre. Je me souviens quand moi je travaillais sur la question et que j'interviewais des gens, la plupart du temps dans les grandes villes, et disons que c'était une fonction croissante du niveau socio-professionnel des personnes interviewées, on commence par dire non. Mais non, mais enfin, et le non, ça ne veut pas dire non. Le non veut dire je ne veux pas en parler avec toi. Et des personnes qui commençaient par me dire mais non, mais enfin, nous on n'en consomme pas. Peu de temps après, me disait, ben oui, mais les parents laissaient les vidéos, les DVD traîner à l'étage, et c'était fait exprès. Quand eux, ils recevaient des copains, on allait avec les enfants des copains regarder ça à l'étage. J'ai un souvenir très précis d'une interview comme ça, notamment dans un bar. Donc, on apprend au passage, et c'est très intéressant, en comparant ces deux-là, que les chiffres varient énormément selon la façon dont les questions sont posées et qui pose les questions. Alors on part de la troisième étude, celle qui date de 2017, toujours produite par l'IFOP, réalisée sur une cohorte d'adolescents de 15, 16 et 17 ans, où on apprend que plus de 60% et quasiment 40%, plus de 63% des garçons et 39% des filles ont déjà consommé de la pornographie. Et ensuite, sur une base déclarative, et ensuite, on regarde cet échantillon-là, donc 52% de l'échantillon, celui qui a déjà consommé, et on pose d'autres questions. Par exemple, on dit, est-ce que ça a déjà influencé, à votre avis, votre sexualité? Alors, la première question, c'est plus précisément, est-ce que vous considérez que ça a participé de votre apprentissage? 48% de cet échantillon répond oui et 37% répond non. 37, pardonnez-moi. 48% des garçons répondent oui, ça a participé de mon apprentissage, et 37% répondent, des femmes répondent oui, ça a participé de mon apprentissage. Et quant à ceux qui ont déjà eu un rapport sexuel, la proportion augmente chez les garçons. 55% des garçons ayant consommé de la pornographie, ayant eu un rapport sexuel, disent que ça a influencé leur apprentissage, et 44% des filles, ayant déjà eu un rapport sexuel et déjà vu de la pornographie, disent que ça a influencé leur apprentissage de la sexualité. Pour moi, ces réponses-là sont aberrantes parce que c'est comme si elles extrayaient l'existence de la pornographie de leur apprentissage de la vie sexuelle. Comprenez? C'est-à-dire qu'évidemment, quelqu'un qui a vu de la pornographie et qui s'est masturbé en regardant de la pornographie a eu un impact sur sa vie sexuelle de l'existence de la pornographie. Pourquoi? Ben, non pas qu'il ait changé ses pratiques hors pornographie, mais il a consommé de la pornographie, et c'est une pratique sexuelle, et par conséquent, cette pratique est modifiée. Point à la ligne. Bon. Alors, on continue. Zut. Alors, cet impact, il est jugé de façon plutôt positive par 15% des garçons, 12% des filles, et... Cet impact et cette influence est vue de manière plutôt négative par 12% des garçons et 18% des filles. On voit que là, si on ne dit pas est-ce que ça a participé à votre apprentissage, mais est-ce que ça a influencé, le chiffre baisse. Donc ça fait 37% positif négatif pour les garçons et 30% pour les filles. Là encore, même commentaire. Que plus de 70% dans les deux cas nous disent que ça n'a pas eu d'influence, je trouve ça complètement fou. Alors, si on va un peu plus loin, est-ce que vous avez déjà essayé de refaire des positions que vous avez vues dans des vidéos pornographiques? 20% des garçons, mais 45% des garçons qui ont déjà eu un rapport sexuel, et
25% des filles sur la cohorte en général des filles qui ont déjà vu un film porno et 43% de celles qui ont déjà vu un film porno et ont eu un rapport sexuel. Bien. Donc voilà. Là encore, on voit que ça augmente, c'est-à-dire que la prise de conscience augmente ou l'influence augmente dès lors qu'il y a eu rapport sexuel. Mais ce qui est très intéressant, c'est l'espèce de dichotomie entre une influence obvie, immédiate, dès que la personne répond oui, j'en ai consommé d'une certaine manière, elle a eu une pratique sexuelle qu'elle n'aurait pas eue si la pornographie n'avait pas existé. Et on a l'impression que c'est normal, c'est complètement rentré dans la norme. Bien. Et là où je dis que c'est de la police, c'est que tout simplement, vous avez d'un côté une population sans porno, de l'autre une population avec porno, d'un côté une population dont on ne sait pas grand-chose, de l'autre une population dont on sait que c'est des gens qui se masturbent, qui se branlent, qui négocient collectivement à travers des contenus, leur vie sexuelle à travers ça, et sur lequel l'État a un impact, notamment parce qu'à chaque fois qu'il légifère sur ces contenus pornographiques, il a un impact sur les représentations et les pratiques. Pratique masturbatoire d'abord et ensuite pratique sexuelle à côté, peut-être. En tout cas, environ 40% des répondants disent que ça, adolescents disent que ça a un impact sur la sexualité. Bien. Alors, je voudrais maintenant qu'on regarde quelques chiffres proposés par Pornhub. Alors, vous avez le lien, hein, donc dans leur revue 2016. Total des visites 23 billions, 75, c'est monstrueux, 4 milliards 599 millions d'heures, 191 millions 625 000 jours, 27 375 semaines, 524 ans, etc. 5 000 siècles de durée de vidéos consommées dans le monde, avec comme premier lieu de consommation les États-Unis, l'Islande, l'Angleterre, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, la Norvège, etc., etc. Bon, les termes les plus recherchés au monde en pornographie, votre avis, qu'est-ce que c'est? Lesbienne et belle-mère, puis mother I'd like to fuck, puis adolescente, lesbienne. Quand j'avais établi statistiquement le geste le plus réalisé sur la chaîne Dorcel TV, c'était les baisers entre filles. C'est intéressant, non? Alors, chez les garçons et chez les filles, les choses divergent. Et divergent, c'est énorme, puisque lesbienne apparaît d'abord chez les filles, alors que c'est MILF chez les garçons. Et que lesbienne n'apparaît qu'en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e position chez les garçons. Néanmoins, si on fait une moyenne, c'est ça qu'on obtient. Alors, on voit ensuite que ces grandes catégories évoluent selon les pays. Par exemple, ah oui, alors le temps par visite. 12 minutes 45 aux Philippines, 10 minutes 46 en Afrique du Sud, 10 minutes aux États-Unis, 9 minutes au Canada, 9 minutes 17 en France, et parmi les pays les plus courts, 4 minutes à Cuba, mais pour des raisons qu'on peut imaginer, Mongolie 5 minutes, Bolivie 6 minutes, Kazakhstan 6 minutes et 55 secondes, Colombie 7 minutes, etc., etc. Vous voyez des... Alors, le top 10 des recherches sur le site Pornhub au Japon. Numéro 1, Japanese. Numéro 2, Japanese teen. Numéro 3, Japanese amateur. Numéro 4, Japanese wife. Numéro 5, Japan. Numéro 6, Japanese massage. Numéro 7, Japanese school girl. Numéro 8, hentai. Et ensuite, on a Japanese boy, Japanese amateur ass, Japan sex game show. C'est des amateurs épouvantablement nationalistes de porno. C'est très drôle. Alors, on descend un peu aux États-Unis, on n'est pas du tout sur le nationalisme. Numéro 1, stepmom, lesbienne, stepsister, MILF. En fait, c'est la famille, quoi. Aux États-Unis, leur grand problème, c'est la famille. Alors, allons voir en Australie. Lesbienne, MILF, Asian Massage Cartoon. Donc, oui, c'est plus divers. C'est plus divers. Alors on va pas India. À India, on retombe sur la problématique japonaise. Hein. Les plus grandes catégories sont Indian, Indian wife, Indian college, Indian baby devar, Indian actress, Indian teacher, Indian auntie, Indian auntie with young. Ah tiens, il y a un petit problème de la tante avec un gamin qui ferait fantasme en Inde.
Alors, Italie, c'est un vrai mélange, mais c'est pas très étonnant. Italienne, comme première catégorie, MILF, food job, mom, italiano, amatoriale Napoli, public teen, amatoriale italiano, amatoriale italiano. Alors, est-ce que, voyons voir si nous autres Français, on est comme ça. United Kingdom, pas du tout. Hop, Germany, oh, un peu. German, teen, Deutsch, German mom, mom, anal, step mom. Alors, Mexicanos, on passe, Canada, on passe. J'ai envie d'aller voir les Français. Oh, Pologne, ils s'en moquent un peu. Spain, Russia, Philippines. Ah, tiens, Pinay, Pinoy, Entai, Tin, Pinay, Filipina, etc. C'est marrant, le nombre de pays dont la première recherche, c'est le pays. Par exemple, Sweden, c'est Swedish. Avant Stepsister, MILF, Stepmom, Svensk, etc. Belgium, Brésil, Argentina. Mais c'est où la France? Oh, flûte. Attention, accrochez-vous, j'ai pour la France le top 10 des recherches en 2016 sur le site Pornhub. French, française, maman française, mom, teen, lesbienne, massage, MILF, stepmom, arabe, beurette, etc. Bon. Alors, où est-ce que j'essaye de vous amener avec tout ça? J'essaie d'abord de vous montrer que d'un point de vue purement sociologique et statistique, la pornographie et la masturbation devant des contenus pornographiques est un fait social normal. C'est un fait social normal, c'est-à-dire que c'est une norme dans l'espace et dans le temps. C'est comme ça qu'on fait. Deuxièmement, j'essaie de vous montrer que on a un rapport, malgré l'aspect social évident, très maladroit avec cette production de normes. Alors que c'est à l'évidence de la production de normes, on essaie de le considérer autrement. Notamment en imaginant que chacun ait sa petite pratique, ses goûts très exclusifs, mais exactement de la même manière qu'avec une page Facebook, c'est-à-dire tout le monde est très très original sur son profil en ayant finalement la même page Facebook, de la même manière, tout le monde a sa petite originalité, de la même manière en utilisant les mêmes contenus, les mêmes choses, etc. Bien. Et que il n'y a pas à attendre que ça ait un impact sur les échanges sexuels que vous pourrez avoir dans votre vie avec vos partenaires pour mesurer que ça a déjà eu un impact sur la vie sexuelle. Évidemment, à travers cela, il faut voir au moins deux choses. D'abord, qu'à travers ces contenus sont négociées des choses sur les relations hommes-femmes, sur les relations homme-homme, sur les relations femmes-femmes, sur les relations adultes-enfants, sur les relations adolescentes-enfants, sur les pratiques, les positions sexuelles, etc. Les animaux. La loi intervient dans ce domaine-là, directement et indirectement. Et enfin, pour permettre cette pratique sociale, un immense effort technologique est produit. Même si par rapport à la somme des efforts réalisés pour que tout le monde puisse consommer de l'Internet, ça n'est pas si énorme. Dites-vous bien que cette immense masturbation collective, si on ne considère que Pornhub, correspond à 3110 pétabytes, 3 milliards 110 millions 400 000 gigabits, 99 gigabits par seconde, 6 terabits par minute. Vous voyez les tuyaux qu'il faut pour faire circuler cette information-là, en d'autres termes. On pourrait décrire notre civilisation comme celle excusez-moi, mais de gigantesque activité de masturbation collective rendue possible par des tuyaux colossaux qui font passer des millions, des millions, des millions de tonnes de données par seconde. Alors évidemment, ce n'est pas des millions de tonnes, hein, c'est des millions de bits. Voilà. Bref. Voilà un cas particulièrement simple à apercevoir. De normalisation collaborative de la sexualité qui a un impact sur la vie sexuelle des gens, sur les représentations des gens, et qui a par-delà cela un impact sur des représentations éminemment politiques, sur le statut des hommes, sur le statut des femmes, sur le statut des hétéros, des gays, des bi, des lesbiens, des trans, des queers, des intersexuels, etc., des asexuels, de tout le monde. Et
ces catégories-là, par leur impact, viennent encore bousculer des catégories plus fondamentales sur l'égalité entre les êtres. Voilà. Donc, à cet endroit-là, que ce soit à travers l'infrastructure, à travers le contrôle légal, ou à travers la pure collaboration et la création de normes de représentation de valeurs inhérentes au statut des uns et des autres, à travers tout cela, vous avez un impact décisif sur le domaine du politique. Voilà. Bien. Ben je voulais simplement partager ça avec vous. Il me semble que... Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Oui, la semaine prochaine, on travaillera sur l'impact du politique sur la vie de couple et l'impact, enfin comment dire, l'influence du domaine du politique sur l'échelle de la famille, l'échelle de la vie de couple, etc. On pourra d'ailleurs finir par famille et pouvoir, qui est un des chapitres d'anthropologie politique de Balandier, et sur les organisations de type familial. Ça pourrait être intéressant. Sur des notions de piété filiale, d'ailleurs. On en est au cours numéro 9. De manière générale, il y a une grosse dizaine de cours par semaine. On propose encore deux, et puis le dernier sera un cours de révision. Bon. À la semaine prochaine.